いけないけないけな、いけな。いけないいけないいけないいけないけないけねいけないけもきいけないけんばだいけないけやごいこくこいけないけばばBah! Où sont-ils passés? Bébé? Oh! Chisom? Marie? Hey! Chisom? Annie? Hey! Hey! Oh, maman! Maman, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Ma jambe, doucement, je ne comprends maman. Pas. Doucement. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Aïe. Qu'est-ce qui ne va pas? Maman, laisse-moi s'il te plaît. Aïe, maman. Hey, va prendre les chaises à la maison, oui, dépêche. Oui, oui. Maman, désolée, aïe. Maman. Vas-y, doucement. Ah. Désolée, oh. Oh, viens t'asseoir. Oh. Viens t'asseoir ici. Voilà. Pardon. Désolée. Hein. Désolée. Aïe. Désolée. Ah. Maman, désolée. Ah. Mais comment aïe. Tu peux tomber juste comme je ça? Je ne sais pas. Désolée, sais maman. Pas. Désolée, maman. Oh, désolé. Aïe, tu mords. Maman, désolé. Louez les seigneurs. Alléluia. Louez les dieux vivants. Alléluia. Alléluia. Amen. Avant de prier pour nos frères et sœurs, je remercie Dieu de m'avoir amené dans cette terre, la terre d'Umulolo. Je le remercie et lui demande de bénir ma mission dans cette terre. Je remercie également mon prêtre de la paroisse,
Révérend Père Christian Idiofo, qui est ici présent, je prie que Dieu le Père m'utilise pour bénir ses frères et sœurs, aussi nous bénir. Alors, quand je vous touche, la puissance de Dieu va vous délivrer, vous guérir et vous bénir au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ere mo biebere, 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 nawere mo biebere. Que le feu de Dieu commence à vous consumer. Que le feu de Dieu commence à vous consumer. Oui, vous consume, vous consume, vous consume tout esprit, vous consume. Oui, soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés au nom de Jésus. Vous consume, oui, vous consume, qu'il vous libère. Soyez libérés au nom puissant de Jésus. Soyez libérés au nom puissant de Jésus. Roulez, roulez et soyez libérés. Roulez, soyez libérés par le feu de Saint Esprit. Oui, roulez, roulez. Soyez libérés au nom de puissant de Jésus. Soyez libérés. Je prie que tout esprit vous libère au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez libérés. Soyez libérés au nom puissant de Jésus. Soyez libérés au nom puissant de Jésus. Soyez libérés au nom puissant de Jésus. Soyez libérés que tout esprit qui ne confesse pas de Dieu vous libère au nom puissant de Jésus. Soyez libérés. Soyez libérés. Vous êtes libérés. Vous êtes libre au nom puissant de Jésus. Vous êtes libre au nom puissant de Jésus. Croyez que vous êtes libéré. Croyez que vous êtes libéré. Vous êtes libre. Hey, Jinekene, ma sœur, demande-moi quoi. Je n'ai jamais imaginé que de telles choses peuvent arriver dans ce monde. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, qu'est-ce qu'il y a de si spectaculaire dans tout ce que tu as vu aujourd'hui? Je vis les gens tomber devant lui. Et c'est quoi déjà son nom? Frère Nonson. On a vu plusieurs personnes et il n'est pas différent de ceux qu'on a déjà vus. Même si c'est selon Adara. Mais tout ce qu'il fait doit être vrai et sincère. Si quelqu'un fait quelque chose de bon, c'est bien de l'apprécier. Mais blasphémer n'est pas du tout bien. Et Amara m'avait dit que la première semaine que cet homme a mis ses pieds dans ce village, il était stupéfiant et incroyable. Il priait et les gens tombaient en désordre. Tournés au sol. Moi, je ne sais pas où. Je ne sais pas quoi dire concernant cet homme. Ma sœur, comme tu l'as dit, mais ce village est tellement dangereux. Alors, que veux-tu dire par là? Je veux juste m'épargner de ça. Ok, pas de problème. Nemo, je vous le jure, depuis que je suis née, je n'ai jamais vu quelque chose de pareil. Mes chers, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est juste un petit miracle qui s'est produit. C'est pas parce qu'il a fait tomber les gens par terre que vous dites qu'il est comme... Non, je ne vous comprends pas. Tout ce que tu dis là, ce n'est pas bien. La Bible dit, ne touchez pas à mes oies. Cela implique à la fois le spirituel ainsi que le physique. Moi, je suis contente de voir ce qu'il se révèle en train de faire. Ma sœur Oudjou, je suis aussi contente de voir cet homme dans ce village. Au moins nos enfants auront quelque chose de bon à faire dans ce village. Et toutes ces tueries
La sorcellerie, des choses terribles diminueront dans ces villages. Tu as dit réduire? Oui. Il va l'éradiquer complètement. C'est déjà arrivé. Et que voulez-vous encore? Il vient juste d'arriver. C'est pourquoi vous le voyez sain. Donnez-lui juste 2 mois et vous verrez ce qui viendra dans la suite. Je vous ai déjà dit, monsieur. Je ne vois rien de spécial là qui vous fait étonner. Mais donnez-lui juste 2 mois et avec le temps, vous allez me donner raison. Mes chers, vous n'avez pas vu ce père qui était venu l'autre fois dans notre communauté? Croyez-moi, celui-ci va vraiment apporter des changements dans cette communauté. Ah, d'accord. Donc, c'est ce que tu fais? Quoi? Je ne vais pas t'attendre, épargne-moi. Donc, tu collectes l'argent auprès des gens, tu vends dans 2 églises. Collecter l'argent partout en le faisant croire en toi? Adako, pourquoi est-ce que rien de bon sort de ta bouche? Honte de toi, tu ne changeras jamais. Mais attendez, vous partez toutes des... Oh, quoi? Mais attendez, non? Mais ça signifie quoi ça? C'est quoi ça? Et toi, c'est quoi ça? On avait caché cette nourriture. Où est-ce que tu l'as eu? Tu penses que tu es le seul qui a la bouche pour manger ou quoi? Je vais te gifler, hein. Il faut te juste te gifler, tu vas changer de couleur. Au lieu de mettre cette nourriture et manger ensemble. Toi là, tu n'as plus de respect, je vois. Cette nourriture de lui. Donne-moi la nourriture. C'est placé, toi et moi, cette nourriture. Donne-moi la nourriture. Allez, vas-y, dépose cette nourriture. Donne-la moi avant que je me charge de toi. Tu ne peux l'essayer. Tu ne feras rien. Donne-moi la nourriture. Toi là, je m'occuperai de toi dans cette maison. Continue seulement comme ça. Mon frère, est-ce que tu entends? Viens. Toi, tu te calmes. Ça fait vraiment longtemps que je ne t'ai pas vu. Hé, grand frère. Comment allez-vous? Ah, je vais bien, merci. Comment vas-tu? Comment va maman? Oui, maman. Ok, d'accord. Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Êtes-vous content? Oui. Si vous êtes content, criez un cri de joie pour le Seigneur. Jésus le roi. Je suis très content car nous sommes tous rassemblés ici à Oumoulolo. Selon ma révélation, le Seigneur m'a révélé que cette terre est liée sous bandage de l'ennemi. Et Dieu ne peut rester silence jusqu'à ce que cette terre soit libérée. Alors notre mission
dans cette terre et pour libérer les captifs. Le Seigneur a raison de libérer cette terre au nom de Jésus. Beaucoup de choses sont faites dans cette communauté. Beaucoup de nos jeunes ne reviennent plus à la maison à cause des peurs des hommes et des femmes. De ce fait, je veux que vous allez aujourd'hui à la maison et l'annoncer à tout homme et toute femme que le Seigneur Dieu est venu dans la terre de Umulolo pour la sanctifier et la purifier et pour enlever les hommes méchants et femmes dans cette terre. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si tu es un homme méchant ou une femme méchante, je te donne 40 jours pour la repentance. 40 jours. Tu vas boycotter ton fétiche et l'exposer. Car lorsque viendra la calamité, tu ne seras pas épargné. Allez et annoncez-les à tout le monde que Dieu est venu pour délivrer la terre d'Umulolo. Au nom puissant de Jésus. Amen. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Je veux que vous sachiez, contrairement de ce que tout le monde croit, ce n'est pas quand vous voyez une personne de bonne vie, vous allez croire que cette personne, c'est une personne occulte. Ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Je suis venu enlever cela dans vos têtes. Lorsque vous croyez comme ça, est-ce que cela veut dire que les démons peuvent donner plus de richesse que Dieu? Non! Certainement non. Donc lorsque vous voyez des bonnes choses, croyez souvent que cela vient de Dieu. Ce n'est pas dire que nous n'avons pas les hommes méchants et les hommes occultes. Mais lorsque vous voyez des bonnes choses, cela vient de Dieu Tout-Puissant. De ce fait, je prie pour vous, comme vous êtes venus aujourd'hui, que le Seigneur Dieu vous bénisse et que vous arrivez à concrétiser vos désirs. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Crie un cri de joie pour Jésus. Tu n'es plus toi depuis que tu es là. Qu'est-ce qui ne va pas? Chérie, je suis fauché. Si tu peux m'aider avec 2 000 naira, je te promets qu'au plus tard mercredi, je te rembourserai. Mais j'avais dit Ikenaï à l'intérieur. Tu ne vas pas comprendre. Ce n'est pas que si je lui demande un peu d'argent, il va refuser de me le donner. Mais j'ai juste honte de moi-même de lui demander l'argent tous les temps et tous les jours. Bah, écoute, celui qui prend déjà toute cette famille en charge, je sais qu'il va encore voyager dès ce mercredi et va nous laisser un peu d'argent. C'est pourquoi je dis que le mercredi, tu auras tes 2 000 naira. Ok, je vais te les donner. Merci. Mais parlons de ta famille. Tu n'es pas censé être pauvre. Tu es un bosseur et tu es supposé faire des dons. Je n'apprécie pas le fait que tu viens toujours emprunter de l'argent. Alors, qu'est-ce que tu essayes de dire? Tu ne peux pas avoir un frère comme Ikena et manquer même des centimes. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas comme si je suis resté calme sur ça. J'ai déjà un plan. Je vais aller en ville et je vais rester avec mon ami. Il y a quelques temps passé que tu parles de ça. Ce n'est pas la première fois. Je pense qu'il est temps de chercher la solution pour ta destinée. Alors, qu'est-ce que tu insinues maintenant? Je vais te présenter à mon père. Non. Écoute-moi, il faut juste que tu comprennes que je ne suis pas encore prêt pour des choses de fétiche. Ok, tu vas d'abord essayer. Ikena. Mon père. Dieu est content de ce que tu as donné. Merci mon père. Je crois que faire un don d'1 million à l'église, également acheter les articles à manger pour les orphelins, Dieu te bénira. Merci mon père.
Vous voyez, je suis ce genre de personne qui aime toujours aider les autres avec le peu qu'ils trouvent. J'étais revenu il y a quelques jours passés et lorsque j'étais en train de conduire, je voyais tout ce qui s'est passé ici et je me suis dit, c'est Dieu qui m'a fait revenir dans cette communauté et que je devais vous voir avant que je ne rentre en ville. J'allais déjà venir depuis très très longtemps, mais le problème c'est que j'étais très très occupé. Et parce que je dois partir demain très tôt matin, je me suis démené pour venir ce soir. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Ma sœur, Mary. Je ne crois pas que vous l'ayez vue, parce qu'elle n'a jamais participé à la... Direction. À la messe, oui. Elle m'a parlé de beaucoup de choses sur comment Dieu vous a puissamment utilisé pour libérer cette terre qui paraissait maudite. Qu'est-ce que tu veux dire par une terre maudite? Mon père, vous savez, vous ne pouvez peut-être pas comprendre. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Vous n'avez peut-être pas vu une personne faire de mauvaises choses, mais croyez-moi qu'il y a de mauvaises choses qui se passent ici. Vous remarquerez que les jeunes ne sont pas en train de progresser. Ou lorsqu'un homme va dans son champ, il marchera sur les fétiches que son frère avait placés contre lui. Il tombe et puis il meurt. C'est comme ça que le frère apparaîtra pour venir réclamer cette terre. Voilà les cas qu'il y a ici à Omololo. Cela peut être vrai. Mais je pense ce qui nous concerne, c'est notre problème. De ce fait, parlons de vous. Vous êtes une personne riche. Et je vous apprécie pour ces chèques des millions de naira. Mais permettez-moi de vous demander, comment va votre famille? Comment se portent vos frères et sœurs? Sont-ils bien? Ne sont-ils pas comme ces moins privilégiés, comme ceux de l'heure qui sont à l'orphelinat? La charité bien ordonnée commence par soi. Ce que je vous dis, c'est un pur message qui vient de Dieu. Allez et organisez votre famille. Aidez vos frères et sœurs. Quand une personne est riche et cette personne n'utilise pas cette richesse pour aider la vie des autres et les membres de sa famille, cette personne est encore pauvre. S'ils sont dans la misère, ils n'ont personne pour les aider. Déjà, ils pensent que vous utilisez leur destinée pour que vous restiez toujours riche. Donc, vous devrez faire quelque chose à ce sujet. Aide-les, ok? De toute façon, c'est en passant. Agenouillez-vous, je vais prier pour vous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je demande que ta bénédiction s'ouvre sur ton servant. Bénis-le selon ta richesse glorieuse au nom de Jésus. Au nom Amen. Du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix soit avec vous. Uche. Patron? Qu'est-ce qui s'est passé hier dans la boutique? Pourquoi est-ce que j'ai remarqué des comptes excessifs? Pourquoi est-ce que nous avons Egomorova? C'est une bonne affaire, monsieur. Tu dois la fermer. Ne me dis pas que c'est une bonne affaire. Tu as commencé à me voler, Uche? Non, non. Et tu me dis non? Non. Uche, je ne fais pas de raison. Va me prendre l'argent où tu l'as gardé. Je ne veux entendre aucune explication. Tu vas me chercher cet argent. Je ne veux rien entendre. Je ne veux rien entendre. Je me souviens de quelque chose. De quoi te rappelles-tu? Qu'est-ce que c'est? Félix était venu hier à la boutique. Il m'a envoyé acheter quelque chose. Peut-être qu'il a pris quelque chose à mon insu. Je m'en souviens pour l'avoir. Donc tu es en train de traiter mon fils de voleur, hein? Non, non. C'est ce que tu es en train de me dire. Non. Non, mais comment? Je t'accorde 30 minutes. Que 30 monsieur. Minutes. Va me chercher cet argent. Monsieur, je n'ai pas... Va me chercher cet argent. Va vite. Hey. Hey! Hey! Oh! Merde! Oh! 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 Oh!
Maman, pourquoi est-ce que quelqu'un va penser que j'utilise son destin pour avoir tout ce que j'ai maintenant? J'ai travaillé très dur pour mon argent et je mérite tout ce que j'obtiens. À côté du dur labeur, je prie chaque nuit et jour pour que Dieu protège ma famille et moi. Alors pourquoi est-ce que quelqu'un peut penser que j'utilise son destin? C'est de cette manière que la méchanceté commence. Oh. C'est de cette manière que ça commence, juste au moment où quelqu'un pense que tu utilises son destin. Je veux dire, c'est là que tout va directement commencer. Tu sais, les gens sont tels que ces proverbes disent. Ils ne vont pas s'occuper du couteau qui les a blessés au cou, mais plutôt de verser leur colère sur la marmite. Qu'est-ce que c'est? Les gens ne veulent pas travailler, mais ils veulent être millionnaires. Mais d'où est-ce que ça vient? Maman, je m'en vais. Ce soir même. Mon fils, tu peux pas fuir la maison. Il y aura toujours la crise. Et n'oublie pas que la force de cette famille dépend de ta visibilité. Celui qui le trompe est en train de faire un très bon travail. Et cette personne va souffrir. Attends. D'accord. Je rentre demain matin à la première heure. As-tu bien pensé? As-tu oublié que tu es l'aîné de cette famille? C'est toi notre gagne-pain. Si tu sors en colère, cette famille en souffrirait. Alors s'il te plaît, fais-moi une faveur. Pour tout ce que tu comptes faire, s'il te plaît, consulte ta mère. Tu m'entends? C'est bon, j'ai été entendu. Je pars demain matin, mais je vais revenir le mardi. Ça, c'est une bonne chose. Et fais très attention. Pas de problème. Oui, pas de fais problème. Attention. Bon après-midi, pasteur. Oui. Je suis au Tchendo Keke. J'ai été envoyé par Ada. Elle m'a dit de venir vous voir. Depuis un moment, je... Trouver les choses difficiles. Tu n'avances pas. Tu fais que reculer. Oui, pasteur. Ça, c'est un problème très spirituel. Non, je le rejette. Ça ne sera jamais ma portion. Mais c'est écrit dans ta parcelle. Qui l'a construite? C'est mon grand frère. Ikena? Oui, pasteur. Comment connaissez-vous son nom? Père, parle. Révèle-moi clairement. C'est ta destinée et celle de ta famille qu'il a utilisée pour faire la construction. Mais ne t'inquiète pas, tu es venu au bon endroit. Et le diable n'a pas de pouvoir. Mais la Bible dit, tout ce qui est révélé est condamné. Et les enfants de Dieu vont prendre la position. Ne t'inquiète pas, tu vas percer encore. Parce que toutes les mains qui utilisent ta destinée, ça va s'arrêter et tu vas prendre ce qui t'appartient. Tout ce que je veux est que tu pries. Il faut que tu pries. Crois-moi, tu vas aller de l'avant. Merci, pasteur. Merci d'avoir vu clairement le problème par lequel je passe. Pour sa photo, vous allez la voir dès ce soir. Je vous ai appelé ici aujourd'hui parce que j'ai remarqué quelque chose de mal. Dans l'histoire de cette famille, il n'y a jamais eu d'inimitié entre frères. Et je ne veux pas que vous puissiez la détruire. Jude, la façon dont je t'ai vu regarder ton frère... Maman, s'il te plaît. S'il te plaît, ne me dis pas comment regarder. Ce sont mes yeux. Je peux regarder tout le monde de la manière que je veux. Jusqu'à ce qu'il va retrouver la raison. Et qu'il me remette tout ce qu'il m'a pris. Que veux-tu dire exactement? Ma destinée, maman. Notre destinée. Que Dieu m'épargne. Arrête! Jude. Quelqu'un t'a dit que ton frère a pris ta destinée et tu l'as cru? Hein? Attends que je te pose une question. Qui t'a dit que je volais ton destin? Oh, tu penses que je ne sais pas. Tu penses que tu es le seul ici qui connaît le chemin. C'est ça. Ah, écoute-moi bien, je ne serai pas toujours un petit garçon. Là, c'était dans le passé. Si tu sais ce que tu as fait pendant que tu construisais cet immeuble,
tu ferais mieux d'aller l'annuler déjà. Sinon, tu vois cette famille, sera très très chaude pour toi. Maman, peux-tu imaginer cette bêtise? Peux-tu entendre ce qu'il dit? S'il te plaît, ne suis pas ce que ton frère est en train de dire. Hein? Tout le monde sait que tu es le gagne-pain de cette famille. Tu fais tout pour nous. Il n'y a qu'un aveugle qui ne peut pas le voir. Non, maman. Tu le soutiens maintenant. Tu le soutiens maintenant, n'est-ce pas? Toi, arrête! C'est quoi ton problème? Comme je le disais, il le sait. Ok. Ada, quoi. Mm-hmm. Merci de m'avoir montré le chemin. As-tu pris une photo avec le pasteur Ken? Oui, j'ai déjà fait ça depuis hier soir. Ne t'inquiète pas, tu verras toi-même la différence. Sais-tu ce qui est plus amusant? Qu'est-ce que c'est? Cet idiot continue de nier et dit qu'il est innocent. Qu'attendez-vous? Cet homme était un homme de Dieu. Mais si vous ne voulez pas changer, vous n'avez qu'à patienter encore. Mais si tu le verras rapidement, tu n'as qu'à te joindre à nous. Mais qu'est-ce que tu attends? Mais c'est exactement ce que moi je veux. Je le veux maintenant, mais très vite. Mais toi, tu as parlé. Laisse-moi te dire, ma vie n'a plus du tout de joie. Moi, je veux que... Je me fous de qui tombe, de qui meurt. Anegenaga, Anegenaga. Oye no bolodorobo, kadere murama. Anegenaga, Anegenaga. Ogagolo, Ogagolo. Oye ne menegele bolododuru yama, gaduru yama. Maintenant, il va venir te demander pardon dans une semaine. S'il ne vient pas. S'il ne vient pas. Je vais lui infliger une violente douleur qui va l'assiéger. Il ne se sortira jamais de cette douleur. Jamais. C'est pour toujours. Anekinaga, Anekinaga. Suivez-moi. Ma sœur. Hey, Timo, bienvenue. Où c'est tout le monde est papa? À l'intérieur. Papa? Oh, que mon mari est rentré. Papa, oh. Comment vas-tu? Tu es de retour? Oui, mon papa. Mari. Qu'est-ce qui s'est passé? Bienvenue. Papa, c'était une longue. Tout le monde est à l'intérieur. Ah. Mon oncle, bienvenue. Allons-y à l'intérieur. Ikena! Ikena! Je commande à ton esprit de libérer tout ce que tu m'as volé. Tu m'as volé pendant très longtemps, quand je n'étais qu'un enfant. Je ne suis plus un enfant. Je suis un homme maintenant. Et je veux que tout me revienne. Au nom de Ideji, je te commande maintenant, Ikena.
de me retourner ma vie, ma richesse, mon destin. Tu ne connaîtras pas la paix. Tu supplieras auprès de qui? Tu supplieras auprès de Afo. Tu supplieras auprès de Oye. Tu supplieras auprès de Hongo. Tu ne connaîtras pas la paix. Ikena, jusqu'à ce que tu libères tout ce que tu m'as volé, tu ne connaîtras pas la paix. Comme tu engloutis mon destin, ainsi le diable va dévorer tout ce pourquoi tu t'es battu et tu as souffert. Tu supplieras au nom de Eke, Afo, Nkwo. Je l'ai dit et ainsi ça sera. Bien papa, pour ce qui s'était passé, même si tu amènes les témoins, ils te diront que je n'ai pas pris cet argent. Je ne l'ai pas pris. Ok mon fils. Seul Dieu qui sait le meilleur. Hein? Et il va te venger. Et il va punir tous ceux qui te punissent pour rien exactement. Hein? La chose la plus importante dans ce monde est la vie. Une fois qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Hein? Juste, considère ça comme une épreuve. Hein, je veux partir voir mon ami Ijendo. Hein? D'accord. Je reviens tout de suite okay, là. Ok, papa. Allez. Ok. Reviens, attends. Oh, t'inquiète pas, je vais pas tarder. Je ne peux pas croire que cet homme t'a renvoyé ici au village. Après 3 ans de service, cet homme est vraiment méchant. Est-ce qu'il sait aussi que tu as une femme et un enfant à nourrir et un père vieil à prendre soin? Je n'arrive pas à croire que cet homme peut te faire tout ça. Je n'y crois pas. Tout ce que nous devons faire maintenant, c'est la prière, rien d'autre. Cet homme-là ne peut pas manquer la sorcellerie. Ne t'inquiète pas, nous irons voir Père Anonso. Qui est Père Anonso? Le nouveau prêtre de la paroisse. S'il te plaît, s'il te plaît, je suis revenu en paix. Laisse-moi en paix. Je ne veux pas ces pères-ci, ces pères-là. Je veux la paix. Tu seras en paix, mais nous devons le voir. Tu répètes encore. Je dis je ne veux pas. Ça va, laisse-moi partir. Je te dis vrai, ce ne sont pas des choses physiques. Ah, waouh. Uche, depuis quand tu es revenu? 3 semaines déjà. 3 semaines déjà. Sérieusement? Tu veux dire que tu es dans cette ville il y a 2 semaines et tu ne t'es pas dit de passer à la maison? Mon frère, tu sais ce que c'est quand tu reviens sur tes pieds. Que veux-tu dire par là? Mayoka, il m'a renvoyé à la maison. Pourquoi? Hein? Tu veux dire après 3 années de service? Non. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, tout l'argent qu'il m'avait remis en toute confiance pour que je gère sa boutique, il m'a accusé d'avoir dérobé cet argent. Je sais que je ne l'ai pas fait. Uche, moi je te connais, tu n'es pas une mauvaise personne. Il ne pourrait pas le croire. Mais comment je peux agir comme ça? Il n'a pas confiance en moi. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Père, je te remercie pour ces moments de nous avoir donné la vie, de nous avoir donné les enfants. Seigneur Père, que ton nom soit loué. Amen. Père, je te demande une révélation en ces moments. Père, ton fils est venu voir tout celui qui est responsable du malheur de ton fils. Père, je crois que il n'y a rien qui soit difficile. Père, manifeste tes paroles. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, viens s'y prier. Amen. Ah, Jésus,
Karabou Shagara. Ingerebo Karabou Shagara. Merci Seigneur. Père, parle, ton fils t'entend. Oui, Ngozé. C'est qui Ngozé? C'est ma mère. Ta mère? Oui, oui, pasteur. Oh mon Dieu. C'est elle qui a fait en sorte que tu ne puisses pas progresser dans la vie. C'est une sorcière. Sorcière, oui. Tu as épousé ta mère dans le monde spirituel. Elle est en colère parce que tu t'es marié dans la vraie vie. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce qu'elle a tenté de faire une chose pareille? J'aime ma mère. J'aime ma mère. Pourquoi elle peut être contre moi? Pourquoi elle a été contre mon évolution? Pourquoi? Ah, ok. Je vais te dire une chose. Ma Bible dit, y a-t-il quelque chose de difficile à Dieu de faire? La réponse est non. Parce que mon Dieu, il est tout-puissant. Et la Bible dit, utilisez l'huile d'olive. Avant que tu progresses, quelqu'un doit mourir. Ta mère avait pris ta destinée il y a longtemps. Et le temps viendra où elle allait commencer à tuer tes enfants pour la première et la dernière fois avant de t'achever. La solution est que entre ton progrès et celui de ta mère, tu dois choisir un. Alors choisis. Écoute, c'est tellement difficile de comprendre. Je devais vivre mon esprit proprement. Pour ceci. Ok. Pourquoi maman? Pourquoi maman? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Uche, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne peux pas tuer ma propre mère. Je ne peux pas la blesser. J'aime beaucoup ma mère. Je l'aime beaucoup. Ah, écoute, Uche, nous sommes sur la même page ici, Uche. La chose est que ce que tu traverses dans ta famille, c'est la même chose que je traverse dans ma famille aussi. Mais il faut seulement que nous trouvions comment résoudre ce problème. Ouh. Hein? Je n'arrive pas à comprendre, je ne sais pas. Écoute, allons juste à la maison maintenant. Tu vas te reposer et te calmer la tête. Afin que nous pensions à ce que nous allons faire. Viens, allons-y. C'est dur pour moi. Aneke. Nanieke. Nanueke. Neniko no hushodo. Wonko kone gene nyune nyuiya. Obo kundo na be. Qu'est-ce que tu veux? Je vais retourner chez mon maître. Terminer mon apprentissage. Et je devrais gagner beaucoup d'argent. De l'argent qui va me permettre de mieux évoluer. Viens avec moi. Prends place, assieds-toi là-bas. Écoute, nous avons beaucoup cherché. Ada.
Les choses ne font que s'empirer. Le pasteur et les Dibia ont dit qu'il y avait des choses qui allaient arriver à Ikena. Mais aucune de ces choses ne lui est arrivée jusque-là. Est-ce que tu es sûr qu'ils ne sont pas faux? Attends d'abord. As-tu fait tout ce qu'il t'a demandé, les incantations et autres? Oui, j'ai fait. J'ai fait exactement ce qu'il m'a demandé de faire. Hein? Je m'attendais à ce qu'à ce moment, Ikena soit à genoux, mais suppliant. Ah, écoute, je suis fatigué de recevoir l'argent de lui. Je veux être celui qui lui donne l'argent. Hein? Tout ce que moi je veux, c'est ma destinée. Je veux qu'il me libère ma destinée. Oh. T'inquiète pas, j'irai le voir. Parce que je sais que tu ne le sens pas. Mais pourquoi pour mon cas? Pourquoi pour mon cas seulement? Donc tu veux dire que le pasteur t'a dit toutes ces choses? Tu veux dire que tous ces temps, tu vivais avec tes ennemis? Exactement. Adèze! Adèze, qu'est-ce qu'il y a? Adèze, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu fais ça? Allons à l'intérieur. Kobo, viens, viens par ici. Laisse-la. Voyons voir qu'est-ce qu'elle pourrait faire de mieux dans cette maison. Derrière, tu as ton propre enfant. Oui, oui. Ça n'a aucun sens. Ah, ah. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Qu'il est toujours en bonne santé? Comme si rien ne lui était arrivé? Hein? Oui. Rappelle-moi son nom. Il s'appelle Ikena. Ikena. Hey! Ikena, 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 Ikena. Ikena! Ikena, 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 Ikena! Ikena, Ikemoki! Ikena, Ikembada! Ikena, Ikeagbo! Ikeokoko, Ikena, Ike! Pas. Rends-lui les comptes. Rends-lui les comptes. Vas-y. Qui es-tu? Qui es-tu? De quoi parlons-nous? Hein? Le fait est fait. Il a été décapité. Il a été immobilisé. Il a été détruit. Tu vas bien maintenant? Merci beaucoup. Tu peux partir. Tu peux partir. Merci beaucoup. Sois un homme heureux. Merci beaucoup. Chebrou, 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 chebrou. Chebrou, chebrou. Chebrou, 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 ichoribu, chebrou, homiagi, bro, ibo, 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 ibo. Qui est là? Oui. Mon frère. Mon frère Ikena. Comment t'allez-vous? Bienvenue. Merci, je vais bien. Ça va? Tantine! Tantine, je vais bien. Comment tu vas? Je vais bien. Ma sœur, c'est une longue histoire. Oui. Allons-y maintenant. Comment allez-vous? Alors, oui, ça va, je vais bien. Comment allez-vous?
Umulala goliba ni keki ka biago. Umulala goliba ni keki ka biago. Ikeki ka batano bo. Ikeki ka batano bo. Chukwani bi keki ke o. Ikeki ka batano bo. Chukwani bo jena mo. Ikeki ka batano bo. En fait, je venais tout justement de la paroisse, mais vous n'étiez pas là. Heureusement, je vous ai trouvé ici. Je pense que tout va bien. Comme un père, tout chez moi va énormément bien, mais ma maison est en feu, comme s'il y avait la guerre là-bas. Ok, entrez dans ma voiture et dites-moi plus. Ok, père. D'accord, père. Père, ma maison, c'est comme une piste de guerre. J'ai beaucoup encaissé pendant un bon moment, mais maintenant, père, j'en ai perdu la force. J'en ai perdu la force, c'est pour ça que je suis venu vers vous, pour causer avec vous. C'est quoi exactement le problème? Qu'est-ce qu'il vous a fait? D'accord, père. Vous savez, mon fils, il a été envoyé sur une terre étrangère. Comme vous le savez, pour rendre service à son maître. Mais vous savez que son maître l'a envoyé. Depuis qu'il est retourné à la maison, je n'ai plus la paix. Je ne peux même pas boire un verre d'eau tranquillement. Il y a un problème après l'autre. C'est ça le problème. Et vous comprenez, le plus grand problème est que lorsqu'il est parti chez eux, pasteur. Et le pasteur lui a dit que sa mère est la cause de son problème. Il dit que sa mère, qui est ma femme, est une sorcière. Ah. Est-ce que votre femme est une sorcière? Bon sang. Comment ça? Mais ma femme n'est pas une sorcière. Mon père, c'était ça les grands problèmes. D'accord, d'accord. Laissez-moi confesser maintenant. Vous savez que l'année dernière, lorsque mon fils était de retour de la ville, il nous avait amené une jeune fille à la maison, une jeune fille dans la famille. Et je n'ai pas voulu que ma famille soit mal réputée. Et je devrais épouser cette fille pour lui. Et la fille a mis au monde un enfant, un joli bébé fille. La fille que j'avais finalement amenée a fait que mon fils ne veuille plus parler à sa mère. Imaginez un peu. Il dit que nous avons plus d'autre chose à faire que le tuer ou bien le vendre. C'est ça le problème, mon père. D'accord. Je viendrai chez vous à la maison pour me rencontrer avec ton fils. Donc c'est tout. Quoi d'autre? Dites-lui de m'attendre. Il va m'attendre. Ok, mon père. Ok, je lui parlerai. Je D'accord. lui dirai. Merci, père. Que merci, Dieu vous bénisse. Père, merci. Mon père, moi, je rentre. D'accord, papa. Ada, qu'est-ce qu'il y a? Ok, laisse-moi un peu me reposer. Je suis tellement fatiguée. Vas-y, je vais te suivre. Je me repose. Eh Belle, tu le sais très bien que je ne peux pas te laisser ici. S'il te plaît, lève-toi, on y va. Oh, Oma, vas-y. Non, s'il te plaît. Non, allez, debout. S'il te plaît, non. Mon amoureuse de sœur, s'il te plaît, allons-y.
Il n'y a aucun plus. Dis-moi d'abord, où est-ce que nous allons travailler? Tu vois, nous allons travailler toute cette partie, hein? Ok, même jusque là-bas, on peut aller là-bas. C'est pas un problème, hein? C'est vraiment trop, hein? Ce n'est pas beaucoup. Mettons-nous juste au travail. On peut bien le faire. Ada? Hein? Ada? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ada? Ada, s'il te plaît, réveille-toi, s'il te plaît. Que quelqu'un vienne m'aider. S'il vous plaît. Ada, ma soeur. S'il vous plaît. Ada, s'il te plaît, réveille-toi, s'il te plaît. Quelqu'un vient m'aider. Ada, s'il te plaît. Ada, ne me fais pas ça. Ada. 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 Fais-le m'aider. Ada. 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 Qui est là? Ada. Il y a quelqu'un. Ada. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Aidez-moi. S'il vous plaît. Je vous en supplie. Aidez-moi. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui lui est arrivé? On était au champ en train de travailler et subitement elle est tombée. Ça, ce n'est pas la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Les filles de Sion, au nom de celui qui est au-dessus de tout nom, je t'ordonne que tu sois restauré. Au nom de Jésus. Tiens-toi debout. Il y a un fétiche qu'on avait enterré dans ce champ. Fétiche? Oui, mais n'ayez pas peur. Mais vous devez asperger de l'eau bénite dans ce champ avant d'y entrer encore. Lorsque ce champ sera aspergé par l'eau bénite, ce fétiche sera détruit. D'accord, Père. Ok. Reçois la guérison parfaite en tant que serviteur de Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la paix soit avec vous. Merci, Père. Merci de sauver ma sœur. Vous êtes bénite. Ada, Dieu est bon. Dieu est bon. Il est vraiment bon.
Oui, allons-y. Tu ne viens plus me visiter. Ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Ah, s'il te plaît, laisse le soleil tranquille, s'il te plaît. Ne mêle pas le soleil, je t'en prie. Tu ne viens plus me voir. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ma chérie, tu dois me comprendre, oui. Tu sais que depuis que mon frère est de retour, je ne me déplace plus. Parce que si je le fais, il pensera autrement. Et s'il commence à penser comme ça, tu connais la suite. Toutes les bonnes choses ne seront pas à profiter. Ah, mais ça c'est vrai. Si tu ne fais pas ça, il pensera de la sorte. Mais il a vraiment pris du temps pour cette visite. Il y a un problème, il ne va plus rentrer. Ma chérie, je ne sais pas aussi. Je ne crois pas qu'il va encore rentrer. Au travail, on l'accuse de quelque chose qu'il ne connaît pas. Oh, ne dis pas ça, s'il te plaît. Tu n'es pas là pour savoir tout. Laisse-moi d'abord aller acheter quelque chose, je reviens. Mais viens m'accompagner. Mais je ne comprends plus. Je suis aussi concernée. Parce que si je ne le fais pas, tu vas encore dire que oh, je ne suis pas concernée. Ou soit tu dirais que nous sommes en train de commérer. Hein, vas-y, dis-moi. S'il te plaît, ma chérie, viens pas. Ok, oh. Si tu dis ainsi, allons-y, je ne veux plus rien dire. Hmm? Ok, mais pourquoi tu prends des photos? D'accord, je vous ai tous entendu, papa. Uche. Oui, prêtre. Est-ce que tu crois que ta mère est une sorcière qui nuit à ta destinée? Oui. Depuis quand est-ce que tu as commencé à croire cela? Depuis la révélation du pasteur. Et Abalakwe l'a aussi confirmé. Papa, vous venez d'écouter votre fils. Oui, je l'ai écouté. Ils croient à ce qu'ils ont dit. Mais permettez-moi de vous demander. Est-ce que croyez-vous que votre fils ici présent a volé son maître? Non. Je ne crois pas. Père, je n'apprécie pas toutes ces questions. Je croyais que vous étiez venu pour nous confirmer, nous délivrer. Pourquoi vous posez encore toutes ces questions? Un instant, jeune fille. C'est la raison pour laquelle je suis ici, de découvrir cette sorcière. La Bible dit, le semeur avait semé une bonne semence. Mais quand il dormait, l'ennemi a semé une mauvaise semence. Nous sommes ici aujourd'hui pour mettre fin à cette mauvaise semence plantée par l'ennemi. Alors arrêtez de gaspiller le temps. Est-ce que tu te rappelles d'adorer la sorcière Kalaba qui venait de la ville? Je parle concernant ton école secondaire. Oh, elle n'est plus là. Elle est morte par accident. Qui ne le sait pas? Non, elle n'était pas morte suite d'un accident. Elle était morte empoisonnée. C'est du mensonge. Uche, est-ce que tu te rappelles d'elle? Oui. Est-ce que tu te rappelles comment tu étais tombé amoureux d'elle par l'ignorance? Oui, je l'étais. C'est Adèse qui est ici présente qui l'avait empoisonnée. Tout simplement, elle était venue en embêtement pour elle. Et cela s'était passé en cours de route quand elle partait voir leur petite amie. Hé! Hey. Hé! Hey. Est-ce que tu te rappelles de ce qu'elle t'avait dit ce jour-là dans la chambre d'hôtel avant sa mort? Que je serai toujours admirée partout où je passerai. Cette malédiction est sur toi jusqu'alors. Mais remercie Dieu parce que Dieu m'a envoyé pour te délivrer. Tiens-toi debout. Non. Je t'ordonne de te tenir debout. Au nom de Jésus-Christ,
Au nom de Jésus, j'ordonne que tu sois libéré de toute malédiction. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas le moment de poser la question. Uche, depuis quand que tu as commencé à accuser ta mère? En passant, où est votre femme? Mon père, ma femme est juste derrière vous là-bas. Ta mère qui t'a apporté 9 mois dans son sang. Elle avait le droit de te tuer, mais elle n'en avait pas fait. Comment est-ce que tu peux croire les gens qui disent que ta mère est une sorcière? Que c'est elle qui nuit ta destinée? Elle t'avait donné naissance, t'a nourri depuis ton enfance. Comment est-ce que tu oublies des bons jours de ton enfance? Tu te rappelles comment est-ce que tu avais fait l'accident? Oui, mon père, je m'en souviens. Alors, comment oses-tu? Oh, tu es seule? Y a-t-il un problème? C'est à propos de Jude. Il est devenu trop serré avec la famille de Ikena. Qu'est-ce qu'il y a à propos de lui? Pourquoi tu dis cela? Je l'ai vu pousser la princesse par terre. Simplement parce que elle était venue plus proche de lui pour prendre les biscuits qu'il mangeait. Es-tu sérieuse? Mais pourquoi il peut se comporter méchamment à l'égard de cette petite fille? Peut-être à cause de la prophétie. Je ne sais pas pourquoi cette fille stupide l'avait amené à un endroit où il pouvait se perdre. Mais qu'est-ce que tu penses d'un docteur des hommes comme Abalakwe? C'est une destruction directement. Je prie juste Dieu qu'il se réveille et qu'il agisse bien. Je prie aussi ainsi. Je pense que je parlerai avec lui ce soir. J'avais essayé de lui parler la nuit dernière, mais il était occupé à faire autre chose. C'est vraiment sérieux. Mon fils, j'ai entendu tout ce que tu as dit, mais quelle a été la réaction de ta mère? Elle n'avait rien à dire, elle était si calme par rapport à tout ça. Pourquoi elle doit faire ça? Moi, je peux te conseiller de laisser toutes choses entre les mains des dieux. Il y a une nouvelle flamme de feu qui est venue dans ce village. Un nouveau prêtre? Oui, son nom c'est Père Nonso. Père Nonso, je l'ai déjà rencontré, je suis allé le voir une fois. C'est bien. Visite-le encore. Rencontre-lui ton histoire. Tout ce qu'il te demandera de faire, fais-le. Est-ce que tu me comprends? Oui. Tout ce qu'il va te demander de faire, fais-le. D'accord. Je le ferai. C'est bien. Merci énormément. Bébé, je suis tellement inquiète pour le moment. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu sais que Iken était le bras droit de la famille. Et maintenant, il a perdu son travail. Et il a commencé à taquiner la famille. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Ah, c'est vraiment très méchant. Mais c'est quoi son problème? Ma chérie, moi aussi, je ne sais pas. La fois passée, si tu voyais la façon dont il avait poussé sa fille par terre. Juste parce qu'elle était venue lui demander une partie des biscuits qu'il mangeait. C'est vraiment méchant et très mauvais. As-tu dit à son père ou reproché Dune à propos de cela? Non, je ne l'ai pas accusé. Oh, parce qu'il frappe toute personne qu'il accuse. Je connais bien Ikena, je ne peux pas agir de la sorte. Parce que si je le fais, ça va causer un sérieux combat entre moi et lui. Je sais que frère Ikena ne changera jamais. Bien, si tu me demandes, je te dirai que tu encourages Dune. Tu dois tout dire à Ikena à propos de cela, pour que cela finisse une fois pour toutes. Tu n'as pas à favoriser la sorcellerie. Si tu ne le dis pas à Ikena maintenant, crois-moi, il continuera à lui faire du mal. Il est comme un venin, doit être empêché à faire du mal. Tu es sûr que frère Ikena ne va pas se battre? Parce qu'on a déjà beaucoup de problèmes. Et ce qu'il a commencé encore, maman ne va pas en finir.
Ma chérie, en tout cas, j'oublie ces problèmes. Je vais les dire à maman. Oh. Je ne pense pas que dire à maman, c'est le mieux à faire. La seule personne à qui tu peux les dire, il est bien placé pour trouver la solution. Ok, je le ferai. Ça surprend. Mais attends, est-ce que vous pensez que votre frère, il est content de ta situation actuelle? Oh! Les diables t'es menteur. Mais la meilleure chose à faire est que... Nous devons prier. Mais avant cela, je passerai chez toi à la maison. Okay. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens que tout ce que vous faites à Dieu n'est pas vain. Vous avez semé une semence dans la maison de Dieu il y a de cela quelques mois. Maintenant, Dieu vous récompense de la semence que vous avez semée. Merci, mon père. Je vous en prie. Vous voulez que je vienne quand? À tout moment, mon père. Jude! Donc tu t'es quand même permis de finir cette nourriture après toutes les fois où je t'ai répété de laisser pour princesse. Hein? Que veux-tu dire par là? Oh, tu voulais que je laisse un peu de nourriture pour que ta stupide de fille vienne manger, c'est ça? Laisse-moi te dire, chaque fois que j'aurai faim et que je vois la nourriture, je vais manger et je m'en fous! Jude, je t'ai déjà dit autant de fois. Princesse est ta nièce. Elle est une petite fille. Elle n'est absolument rien fait. Et même si tu as des problèmes avec moi, ne les ramène pas à elle. Je ne t'ai rien fait de mal. Oh. Tu penses que tu ne m'as rien fait, moi? Tu penses que tu ne m'as rien fait, moi? Oui. Tu n'as rien fait à la personne à qui tu as tout volé. Je t'ai déjà dit, je ne connais pas ce que tu dis. Écoute, je peux même te jurer. Tu peux dire ça aux oiseaux. D'accord. C'est qui à la porte? C'est qui? Ah, père, bienvenue. Merci. Bienvenue. Comment bienvenue, ça va? Père. Comment ça va? Je vais bien, père. Allons à l'intérieur. Non, je suis seulement venu vous voir. Je suis de passage. Comment va Ikena et Jude? Ok, ils sont sortis. Parlez-nous et nous passerons le message. Il y a quelque chose que j'ai besoin de savoir. Qui a dit à Jude que c'est Ikena qui est la cause de son instabilité? Abarakwe et un pasteur Ken. Abarakwe et pasteur Ken. Pasteur Ken est du village voisin. J'ai entendu de lui. Je m'inquiète de la manière dont vous croyez à un étranger. Semer la haine avec celui que vous connaissez bien longtemps. Ikena, c'est votre frère aîné qui était né avant vous tous. Financièrement et d'une autre manière. Mais avec l'ignorance, vous l'avez combattu et vous l'avez laissé par terre. Alors laisse-moi te demander, Marie. La vie qu'avait Ikena en ville est celle qu'il vit maintenant, laquelle mieux? Père, celle d'avant. Avant, c'était si on a un problème, il s'en chargeait de tous les problèmes financiers. Mais maintenant, rien du tout. C'est comme s'il perd son temps au... Tiens, lorsqu'il était loin de nous, tout allait mieux, mais pour le moment, ça ne va pas. Il était la seule personne qui nous donnait la paix. Je t'ai entendu, Tissom. Je vais dire, tout ira mieux. Par l'ignorance,
Jude a porté ses photos à plusieurs endroits et le diable l'a eu. A-t-il réalisé ce qu'il a fait? Non. Jusqu'à présent, il continue à croire en cet homme féticheur. Mais où est-ce qu'il a pris ses photos? Il l'avait eu quelque part. Il m'avait dit. Et je lui ai demandé qu'est-ce que le pasteur a dit. Il a refusé de me dire. La réputation de cette famille. Si vous ne parvenez pas à croire de ce que Dieu fera pour votre famille, de ce fait, je vais arrêter de croire que je suis à un bon endroit. Vous êtes tous les enfants de Dieu. Personne ne peut vous faire du mal. Si je peux dire, je dirais que c'est Jude qui a volé la destinée d'Ikena. Ce n'est pas de la manière dont ça s'est dit. Cet homme lui a fait croire que lui, que c'est Ikena qui a volé sa destinée. Aussi, Jude avait eu les photos d'Ikena pour la porter à plusieurs endroits. Et de là, on a volé la destinée d'Ikena. Ok, dis-leur de me voir demain à 11h. Ok, je l'ai dit. Bye-bye. C'est là-bas, là-bas en face. Oui. Tout droit comme ça, là-bas. Oui, juste là. Nous sommes arrivés. Abarakwe? Abarakwe? Oh, nien. Viens, s'il te plaît. Qui est en train de crier sur mon nom? C'est moi. Ikena. Et que voulez-vous? Je suis celui que tu as ruiné. Je suis venu pour te prouver qu'il y a... Ikena. Garde silence. Nous ne sommes pas venus ici pour chercher des problèmes. Permets-moi de m'en occuper, de la manière dont le Seigneur me dirige. Qui vous a permis de venir dans ma maison et crier comme ça? Est-ce un endroit pour crier? De n'importe quelle façon? Abarakwe, le droit nous revient de crier sur vous et vous agresser. Hein? Oui. Mais Dieu m'a dit de vous prévenir avant. Car si vous refusez de vous repentir, vous mourrez. Oh, j'attends voir. J'attends voir ça. Laisse-moi vous dire, j'ai été averti quand tu es venu ici au village pour désorganiser tout ce que nous avons créé. Et laisse-moi te dire, je ne te laisserai pas faire. Tu ne seras pas libre. Tu penses que je suis venu nous désorganiser? Veux-tu mourir? N'étais-tu pas renseigné avant de venir ici? C'est par amour que je te parle. Va en paix et disparais d'ici. Je suis venu ici vous parler de deux choses. Une, ça c'est le visage de l'homme que vous avez déçu. Et cette semence a divisé la famille. Et ça c'est le visage de l'homme que vous avez essayé de détruire dans le but de faire souffrir et faire vivre la peine. Ce que vous avez fait n'était pas du tout bon devant la présence des dieux. Et je suis venu vous prévenir. Si vous résistez de votre mal, vous allez mourir. Va-t'en. Parle maintenant. Va-t'en. Va-t'en. Inutile de l'enfant qui peut avoir peur d'un démon. Ikena et Jude, partons. Foutez les cons. Allez-y. Mineje Pokatre. Hein? Regardez-les. Mineje Pokatre. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi, oh. J'ai entendu dire que cet homme est très, très, très puissant. De quelle puissance parles-tu? Est-ce qu'il me connaît très bien? Hein? Ce sont ce genre de personnes à qui je rends des comptes facilement. As-tu peur? Ha, je peur. Hein? Tu es une idiote. Tu n'es qu'une moins, une moins que rien. N'as-tu pas mon sang? As-tu peur? Oui. Tu es stupide. Ne viens plus me déranger. Je ne veux pas me calmer. Tu oses parler quand je parle? Très bien. Gary, how are you, Dane? Dane, Jesus. Gary's miracle in Dane. Dane, Jesus. Gary's healing in Dane.
Au nom de Jésus, Amen. J'ai pleinement réussi à délivrer la famille qui était en captivité. Je peux vous rassurer tous que Dieu est au contrôle. Amen. De cette famille délivrée, une fois de plus, Dieu vous a libéré. Amen. Ikena, mon père, tu es libre maintenant. Amen. Tel que je l'ai dit à Uche Ngosu, le fils de Maze Ngosu, ainsi, je te le déclare aujourd'hui, que tout ira mieux avec toi au Amen. Nom de Jésus. Amen. 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 Il y a une nouvelle donne pour cette famille. Amen. Amen. Dieu manifestera sa gloire dans cette famille et beaucoup, spécialement ici à Umulolo, croira que Dieu existe encore. Amen. Et beaucoup viendront croire en lui. Amen. Dites Amen si vous le croyez. Amen. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Thank you, Jesus. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. For your guidance, we say thank you. Je suis malade, pardon. Pardon. Ok, tu bon, ok, tu sais quoi? Tu sais quoi? Laissons-la partir. Nous l'aurons un autre jour. Tu vois, toi, si je te vois, je te préviens pour la dernière fois. Si je te vois encore t'approcher de ma famille, si j'ose encore te voir avec mon frère, ce que je te ferai, tu ne vas pas l'aimer. J'ai entendu. Je vais détruire ton visage. Je ne vais plus m'approcher. Je ne vais pas essayer. Allons-y. Si je te vois encore avec mon frère, si je te vois avec mon frère, je vais te tuer. Allons-y, laissons là. Avant qu'ils disent que c'est nous qui avons cherché à tuer. Allons-y. Oh mon Dieu. La prochaine je ne vais fois, plus refaire ça. Princesse? Oui, papa. Viens. Viens manger avec nous. Hein. Papa, non. Qu'est-ce qu'il y a? Non, papa. Je n'ai pas besoin de manger. J'ai besoin de manger le pain et la moine. Princesse? Oui. Pardon, viens manger avec nous, hein? Non. Cet après-midi, je vais t'acheter le pain et la moine. Non, c'est ce que tu m'avais dit la nuit dernière. Tu entends ça? Princesse. Bonjour, oncle. Pourquoi ton visage est comme ça? Papa m'avait promis quelque chose et il ne l'a pas réalisé. Très bien, j'ai quelque chose pour toi. Oncle, merci.
Tu aimes ça? Oui. Ne t'inquiète pas, très bientôt, papa va retourner en ville et tout ira encore bien. Hein? Ok. Tu retourneras sur le chemin de l'école et tu reprendras ta vie normale. Hein? Ok. Tu sais que papa t'aime. Oui. Et tu sais que je t'aime aussi. Oui. Tu es mon bébé. Bébé. Viens, allons à l'intérieur. Bébé. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Père, je suis venu pour recevoir ta direction divine concernant les services qui auront lieu demain. Je demande à ce que vous m'utilisez puissamment, ton serviteur que je suis. Mais je crois fortement que ta puissance est avec moi. Utilise-moi de toucher les vies, délivrer les âmes pour ton royaume, guérir les malades, convaincre également ceux-là qui refusent de se repentir, ceux-là qui continuent à tourmenter d'autres personnes dans cette terre. Père, visite-leur avec ton glaive. Je crois que ce service apportera la gloire au nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Tine kaviaru one bahu inyendiya. Gozi tine kaviaru one bahu inyendiya. Agune chemba viaru one bahu. Diango, tine ka biaru one bau. Agude ni gua biaru one bau. Diango, I can see everything turning around, everything turning around, everything turning around. Oh my God, I can see everything turning around, everything turning. Everything turning around for my good. Louez le Seigneur. Ouais. Alléluia. Amen. Jésus le roi. Eh, hey, amen, amen. Amen. Je vais vous dire que Dieu est au contrôle de Moulolo. Eh, hey, qu'il le veuille ou pas, le Seigneur a pris le contrôle. Au nom puissant de Jésus. Amen. En effet, que les hommes méchants et femmes soient prêts. Qu'une personne va dire à Abarakwe, car il a refusé de se repentir. Il subira sa peine au nom Amen. De Jésus. Amen. Vous tous qui êtes mes ennemis, je vous rends vos comptes. Vous verrez ce qui vous arrivera. On y est au coup, on y est tcha. Je vous rendrai des comptes. Vous verrez ce que je vous fais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous me voulez? Ok. Je connais la direction d'où ceci m'est venu. Mais jamais. Une neige pour quatre. Une neige pour quatre. Vous n'allez pas me vaincre facilement. Une neige pour quatre. Car quand je vous dis ça. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop sur moi. Bien, monsieur.
que je m'empresse. Que je m'empresse. Il y a pourquoi tout le temps quand on connaît ce qui sort. Manque de goût ou quoi? Jamais. Je dois être capable d'y arriver avant de mourir. Jamais vous me gagnerez, je vous gagnerai tous. Tout homme ou femme qui a refusé de retourner à Dieu, ils seront suivis par la colère des dieux au nom puissant de Jésus. Mais ceux-là qui sont innocents, mais ceux-là qui servent Dieu avec un cœur sincère, le Seigneur Dieu le bénira au nom puissant de Jésus. J'ai prié à ce que tout ira mieux dans vos familles au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si vous acceptez que Dieu l'a déjà fait pour vous, je veux que vous venez maintenant pour que je puisse prier pour vous. Que le Seigneur Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Comme vous représentez vos familles, que le Seigneur bénisse vos familles au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse vos allées et retours, le Dieu pour toujours au nom de Jésus. Amen. Je déclare maintenant Amen. Que tout ira mieux avec vous et vos familles. Au nom de Jésus. Amen. Là où les autres ne réussissent pas, vous réussirez. Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si vous le croyez, sautez trois fois et criez Amen. 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 Jésus le roi. J'ai mal. J'ai mal. Je suis quand même fort. Je me releverai. J'ai très mal. Jamais. Je ne succomberai pas. Je suis le grand maître. La douleur. Je suis le grand maître. C'est moi qui règne sur ce village. J'y règne. Depuis des décennies, je règne. Vous n'allez pas me vaincre. Ça fait mal. Je t'aurai. Surtout toi, je t'aurai. Tu ne vas pas échapper. Ça fait mal. Je vais avancer. Jamais. Je ne vais pas abandonner. Vous risquerez de croire que vous êtes plus fort que moi. Chose qui n'arrivera jamais. Je vais vous battre. Vous n'allez pas vaincre le roi. Le grand maître de ce village, c'est moi. Je vous dis, c'est moi. C'est moi. Vous n'allez pas gagner. Je suis fort. Jamais vous allez vaincre les grands maîtres de ce village. Jamais. Vous n'arriverez jamais, je vous l'ai dit. Vous n'arriverez pas. Attendez-moi où vous êtes, attendez-moi. J'arrive. Attendez. Je vais venir. J'arrive. Attendez-moi, attendez.
Attendez-moi. Pourquoi vous empressez-vous? Attendez. J'arrive. Jamais vous ferez quelque chose. Jamais. Tant que je vivrai, à moins que je sois mort, afin que vous m'ayez vaincu. Chose qui n'arrivera jamais. Jamais. J'arrive de mes propres pieds. J'arrive. Je suis le grand maître, moi. Personne ne peut me vaincre. Jamais. Qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire, je vous demande? Attendez-moi. J'arrive. Vous ne saurez rien faire en ma présence, je le sais. Voilà pourquoi je vous demande de m'attendre. Comme ça, on verra si entre vous et moi, qui gagnera. On verra bien. Non, ça ne va plus. Je ne vais pas y arriver. Dieu ait pitié de nous. Pardonne nos péchés. Si tu y tiens compte, alors rien ne nous restera. La douleur de partout. Non, jamais ça fait mal. Jamais. Où était ma conscience quand je commettais toutes ces atrocités? Jamais. Mais conscience, où étais-tu? Tu ne m'aurais pas permis d'être si sauvage comme ça. Au nom du Père. Du Père. Et du Fils. Et du Saint-Esprit. C'est mal. Anamanana. Non. D'accord, je m'en vais. Père. Aie pitié. Je suis fatigué. Je suis foutu. Je suis vidé. De toute énergie. Mon Dieu. Pourquoi m'as-tu laissé comme ça? Mon Dieu. C'est fini. Tu es là. Bon après-midi. Tu es venu au bon moment, s'il te plaît. Tu es venu à mon secours. Va dire à ce Ujiwazoko que je me suis rendu compte que son Dieu est le seul et vrai Dieu. Demande-lui de plaider en ma faveur. Non, ne dis pas ça, hein? Je suis avec toi, rien ne va t'arriver, hein? Oui. Vite, n'ayez pas de temps, vite, cours vite, cours. Soga bwa kwa kie, onyamosu. Jérôme? C'est vrai? Oh mon Dieu, merci. Merci Jésus. Donc on a retrouvé ces personnes qui avaient volé. Voici ce que j'avais dit au PDG. J'avais dit au PDG que je ne savais absolument rien au sujet de cet argent. Ils avaient insisté que j'étais celui qui avait pris cet argent. Qui était là? Qui est... James, mon meilleur, et Daniel. Ok. D'accord, qu'est-ce que le PDG a dit? Que je dois revenir? Hein? Jérôme, je serai là demain matin à la première heure. Ne vous en faites. Merci pour cette information. Merci. Mary! Mon fils, c'est mieux comme tu crois qu'il y a quelque chose de bon que Dieu peut faire. Si toutes les lumières sont éteintes, il y a l'unique lumière qu'on peut dépendre pour voir.
C'est la lumière du monde. Dieu ne peut pas permettre qu'un mal règne à jamais. Je me rappelle, mais ça fait longtemps. Les démons ne peuvent régner longtemps si tu ne le sais pas. Quelle que soit la durée de la nuit, la vérité finira par apparaître. C'est maintenant qu'on a compris tous ceux qui sont responsables de la magie noire dont tu avais peur. Crois à la manifestation de la main des dieux. Ne réplique pas ta colère à qui que ce soit. Sois absolument content à Dieu Tout-Puissant qui a revendiqué pour toi. J'ai été entendu. Tu sais, pourquoi je viens te voir assez souvent, c'est parce que tes mots sont assez inspirants. Oui, merci énormément. Et je me rappelle toujours de cette histoire que tu m'as racontée lorsque je suis venu pour la première fois. Lorsque j'étais revenu au village après qu'on m'ait chassé du boulot. Tu m'avais parlé de cette histoire de... ton ami, ton très cher ami qui répondait au nom de Niema. C'était en 1978 comme tu l'avais dit. Oui, je me rappelle que tu m'avais parlé de comment... on avait comploté contre lui, mais certainement Dieu l'avait défendu et qu'il avait reçu une promotion au... oui, oui, oui. Au plan des ennemis contre cet homme. Cette histoire m'avait inspiré et m'avait encouragé. Merci énormément. Quand est-ce que tu comptes quitter les villages pour la ville? Bien, il m'a été demandé de rentrer le lundi. Oui, alors je quitterai à partir de samedi. C'est vraiment bien. Dieu sera ton garde. Merci énormément. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Père, me voici venir te remercier pour la réussite du service. Merci de m'avoir utilisé puissamment, moi qui suis ton humble serviteur. Je t'en supplie que tous les miracles, la guérison et la délivrance qui sont passés par mon canal soient parfaites aussi permanentes. Continue à me donner le privilège, aussi la grâce, d'être utilisé comme ton instrument. Délivrer les âmes pour ton royaume, pour la gloire de ton saint nom. Au nom puissant de Jésus, amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Salut. Salut mon ami, mon frère. Oui. S'il te plaît, je suis vraiment désolé pour ce qui s'était passé... 3 ans passés. Concernant ton fils, j'avais totalement tort à cause de ce qui s'était passé à la boutique. C'est d'accord. Je n'avais jamais su que c'était mon premier fils qui avait volé l'argent. Oh. S'il vous plaît, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment navré. Je passerai à la maison pour te voir, pour arranger les choses. Désolé. Pardonne-moi, je t'en supplie. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je remercie l'Éternel parce que tu as finalement réalisé que mon fils Ichen n'a pas volé ton argent. Juste donne-moi du temps. La semaine prochaine, je serai là. Je serai là la semaine prochaine. Oui, mais écoute, ce que j'essaie de dire est que ça serait une bonne chose que tu l'envoies à la maison. Parce que si tu lui envoies à la maison, Uchenna deviendra domestique encore. Il a repris conscience. Il est maintenant un homme de Dieu. Il est un enfant de Dieu maintenant. Ok, ok. Je veux qu'il revienne à la maison parce que c'est un bon garçon. Oui, vous avez raison. Je te remercie pour ça. S'il te plaît, je m'excuse pour mon comportement. Je m'excuse suite à mon comportement. Quand je reviendrai, je vais payer une amende. S'il te plaît. S'il te plaît. Je m'excuse pour mon comportement. Ok. 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 Merci beaucoup. Merci. Aucun problème. Ok, aucun problème. Je suis là. Peu importe les temps, signalez-moi. Ok. Ok, au revoir. Uchenna, hein? Où il est parti encore celui-là? Uchenna! Papa? Ah! Ton maître vient d'appeler. Oh, vraiment? Oui. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Amen. Car tu es délivré. Amen. Partout où tu seras. Amen. Que la lumière t'éclaire au monde et sur la terre. Amen. Et par sa grâce,
que tu puisses achever les désirs de ta vie. Amen. Pour la gloire de son saint nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous êtes de ce village? Oui, Père. Mais vous ne venez pas du tout à la maison. Selon ce que je peux voir, vous n'avez pas été à la maison pendant à peu près 20 jours maintenant. C'est vrai, Père. Oui, je ne viens pas de la maison. À cause des démons. Ils ont tué ma mère, ils ont tué mon père, ils ont tué aussi mon oncle. Et je ne vais pas rentrer à la maison. Je ne vais pas rentrer à la maison. Ils vont continuer. Toujours à tuer. C'est pour cela que j'ai décidé de rester dans la ville où ils ne me verront pas. Et vous croyez que la ville est loin de celui qui veut vous tuer? Les choses spirituelles n'ont pas de limites. Permettez-moi de vous dire. La distance n'est pas une barrière, même si vous êtes à l'étranger. Une fois envoyé le mal vers vous, cela vous atteint. Que la main de Dieu soit sur vous. Écoutez, des années antérieures, quand vous aviez à peu près, votre mère vous a mené au champ. Et quand vous étiez en route vers le champ, vous aviez rencontré une vieille femme. Votre mère, qui n'avait pas du respect envers les hommes âgés. Vous vous rappelez ce que cette vieille femme lui avait dit? Oui, je me reconnecte maintenant. Lorsque j'avais 8 à 9 ans, oui, je me rappelle un peu. Ma mère et moi, on partait à la ferme. On avait vu une vieille dame, oui. Oui, je me rappelle. On avait vu une vieille femme en route. Ma maman avait bousculé cette femme et la faire tomber. J'étais choqué. J'étais surpris. J'ai dit à maman de s'excuser. Elle l'a laissé juste comme ça. Elle n'a pas voulu s'excuser. J'étais vraiment désolé pour cette vieille femme. La vieille femme, elle était restée par terre et a attrapé ma maman. Oui. Et le langage qu'elle avait utilisé, si je me rappelle. Oui, je crois qu'elle avait dit, il n'y aura jamais une vieille personne dans ta famille. C'est ce qu'elle avait dit. Cette malédiction est responsable de beaucoup de morts dans votre famille. Alors, ce n'est pas nécessaire, nous laissons cela pour un autre jour. Mon père, je pense que nous devons trouver une solution. Ça prend beaucoup de temps et ça continue à nous affecter. J'ai des enfants et ils grandissent. Ils vont rejoindre mes ancêtres. Oh, ok. Délivrer la malédiction, ce n'est pas la chose que je peux faire maintenant.
Je vais visiter votre famille aussi, car la malédiction a été jetée sur toute la famille, ok? S'il vous plaît, père, faites ainsi. Faites ainsi. Aidez-moi et aidez ma famille. S'il vous plaît, aidez-moi. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Kikeo,
encore.